Il y a certains moments où je ne sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire et je ne sais pas si je devrais être content ou pas. Je sais pas. C'est compliqué de nos jours. C'est compliqué de faire plaisir aux gens. Tu sais pas ce que les gens veulent, tout ça, et au final, quand tu leur dis qu'au quoi il y aura une bonne nouvelle, au final, non, on te casse la gueule en te donnant une mauvaise nouvelle. Voilà. Donc, bien le bonjour les clowns, c'est Jérémia. J'espère que vous, vous allez bien. En tout cas, vous avez vu ma tête, vous avez vu comment je suis, ça ne va pas trop bien. Parce que j'ai appris la nouvelle concernant le DCU. Qu'au quoi Henry Cavill ne sera plus Superman. Voilà, ça a été balayé. Ça a été balayé. Henry Cavill ne jouera plus Superman dans les films DC. Et là, je dois avouer que j'étais à deux doigts de prendre un pied de biche, me rendre chez les studios Warner Bros. Et tout casser. Voilà. J'étais vraiment à deux doigts de faire ça. Parce que je suis désolé, mais pourquoi faire ça en fait? Pourquoi faire ça? Alors que je suis désolé, mais vous allez être d'accord avec moi, mais Henry Cavill, c'était celui qui incarnait à la perfection Superman. Vous êtes d'accord avec moi? Que ce soit pour, même pour Superman ou même Clark Kent, hein, même si on le voyait pas beaucoup, Clark Kent, il incarnait quand même très bien en fait. Genre, il avait la tête parfaite. À chaque fois que tu voyais Henry Cavill en Superman, t'as l'impression de voir le Superman des comics. Parce que le mec, il avait du charisme. Il ressemblait fort au Superman des comics. Au final, non, ça a été balayé par James Gunn et Warner Bros. Sous prétexte parce que James Gunn veut un Superman plus jeune. Genre dans la vingtaine, en plus que j'ai compris, dans la vingtaine. Gros foutage de gueule. Il n'y aura personne qui sera capable d'avoir le même charisme, même physique et tout ça qu'Henry Cavill. Je suis désolé, Henry Cavill, lui, pour moi, c'était le vrai Superman. De toute façon, j'en avais déjà parlé dans ma critique sur Man of Steel. J'avais parlé qu'au quoi Henry Cavill était franchement génial. Dans le costume de Superman, il rend super bien, franchement. Là, il n'y avait pas... Il y avait... Comment dire? Tu ne pouvais pas me dire le contraire qu'au quoi c'était le plus mauvais Superman. Non, non, non. Henry Cavill... C'était le vrai Superman pour moi. Il était réellement Superman dans le DCU. Et au final, ça a été balayé. Ils l'ont balayé, tu ne sais pas en quel honneur. Là, je me dis, chez Warner Bros, ça continue encore à nous casser les couilles. Hein. On est d'accord. Hein. Parce que je suis désolé, le coup de prendre un, pour faire un Superman plus jeune dans le DCU que James Gunn veut faire. Je suis désolé, mais pourquoi 20 ans? C'est trop jeune pour moi. Un Superman de 20 ans, c'est trop jeune. Genre 20 ans, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon âge, c'est comment je suis. Genre tu vois, imagine, je suis pris pour jouer Superman. Là, vous allez me dire, c'est trop jeune pour jouer Superman. Eh ben voilà. Si vous dites ça, eh ben on est d'accord, on est d'accord. L'âge pour jouer Superman, pour moi, c'est dans la trentaine. Et Henry Cavill, comme je l'avais dit, il devait y avoir dans la trentaine quand il y a eu le rôle et c'était parfait. Franchement, c'était parfait. Maintenant, tu prends quelqu'un comme moi qui a mon âge. Pour jouer Clark Kent et Superman. Non mais vous foutez vraiment de la gueule du monde. Hein. Oui, vous pouvez me le dire. Hein. Vous pouvez me le dire hein, que vous foutez vraiment de la gueule du monde, Warner Bros. De toute façon. Je crois qu'en fait, c'est les pires ennemis de pour nous, les fans DC et tout ça. Je pense que Warner Bros. C'est nos ennemis jurés, en fait. Parce qu'ils font que de la merde depuis qu'ils ont lancé leur univers partagé DC. Quoi. Parce que je rappelle, les films qui ont bien marché. On a eu Man of Steel qui avait eu un plutôt bon succès. On a eu quoi? On a eu Wonder Woman de 2017. On a eu quoi? On a eu Aquaman. On a eu le Snyder Cut de la Justice League. Et voilà. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Le reste, c'est balayé parce que c'était des gros tas de merde. Voilà. Bon, à part un qui était mitigé, c'était Batman vs Superman. Là, c'était mitigé. Mais voilà quoi. Je me dis, chez Warner Bros, il faut continuer encore longtemps là à nous faire chier. Après, il y a certains qui vont me dire « Ouais, mais ils ont bien fait, parce que sinon, si on mettait Henry Cavill dans le rôle de Superman, dans l'univers DC que James Gunn va instaurer, ça serait complètement incohérent. » Je suis d'accord, certes, mais n'oublions pas que dans le DC Comics, tu as des différents univers, genre le multivers, quoi. Tu as ça, tu n'as pas que chez Marvel. Dans l'univers DC Comics, tu as ça aussi. Tu as des terres parallèles, tout comme chez Marvel. Et là, je ne comprends pas pourquoi prendre un gosse de 20 ans déjà pour faire Superman et pourquoi ils ne l'ont pas gardé en fait. Pourquoi ils ne l'ont pas gardé? Pour moi, ça ne m'aurait pas dérangé de revoir Henry Cavill en Superman. Et ben non, ils décident de l'enlever.
Et aussi, le caméo qui n'a servi strictement à rien, comme j'avais dit. Le caméo qu'il a fait à la fin de Black Adam, quoi tu le vois parler avec Dwayne Johnson dans le costume, et Henry Cavill qui sort avec le costume de Superman. Honnêtement, je pense que ça, c'était juste pour faire plaisir aux fans. Hein. Je pense qu'à mon avis, ils n'avaient pas prévu de nous faire quelque chose avec ce Superman-là. Non. Il s'est dit, hop là, on le met une toute dernière fois à l'écran, comme ça, les gens seront contents. Et après, hop, on passe à autre chose. J'ai l'impression qu'en fait, à chaque fois que je vois des news pareilles, j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule, en fait. Vous pouvez me le dire, attention, on se fout de ma gueule. Pas que moi, même tout le monde. On se fout tous de la gueule des fans d'ici. Ou alors, on nous crache à la gueule, voilà. Donc là, tu peux dire adieu à tous les acteurs qu'on a eu. Perry White, Lois Lane et tout ça. Lex Luthor. Bon, encore Lex Luthor, ça va. Je m'en fous, en fait. Non, je m'en fous parce que Jesse Eisenberg, bon, Lex Luthor, il rendait pas bien. Je suis désolé. Mais les autres, on va dire que ça allait encore. Parce que Perry White, Lois Lane et tout ça, ça va encore. Mais bon, là, c'est balayé. Donc, je me dis, comment ils vont faire pour trouver des gens, pour les recaster, pour obtenir leurs rôles, les rôles. Franchement, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire du tout, parce que là, franchement, ça me pète les couilles. Ah ouais, ils ont toujours le... Comment dire, le Superman Black, là, où je pense que c'est Michael Jordan qui compte le jouer, qui est toujours en cours. Voilà. Ça change un peu, mais bon, quand on veut prendre un Superman comme Henry Cavill et tout ça, qui a la même carrure et tout ça, soit non, on en a rien à péter. On en a rien à foutre, voilà. On en a rien à foutre. Ils s'en foutent chez Warner Bros. Ils en ont rien à foutre. Tout ce qui leur intéresse, c'est foutre des films pour après se récolter du pognon. Voilà, c'est tout ce qu'ils font chez Marvel. C'est tout ce qu'ils font chez Warner Bros. Voilà. C'est tout ce qu'ils font. Mais les films, ils n'en ont rien à foutre. Ils n'en ont rien à péter. C'est moi qui vous le dis. Encore, t'as eu d'autres news qui sont sorties aussi, que je vais vous dire tout de suite, et c'est très vite fait. Pourquoi le Batman de Michael Keaton, tu le reverras pas du tout. Tu le reverras pas du tout, tout simplement parce que, en fait, ils avaient prévu de faire un film Batman Beyond, donc Batman la relève. Donc Batman dans le futur, où c'est Terry McGinnis qui devient Batman, de toute façon j'en ai déjà parlé. Et ben, ils avaient prévu à un moment de faire un film, et non, Warner Bros. A abandonné le projet. Ils ont abandonné le projet. Du coup, aussi, il y a Ben Affleck qui prévoit de réaliser un film dans le DCU. Pourquoi? Je vois vraiment pas l'intérêt de faire ça, franchement. Je vois vraiment pas l'intérêt, d'autant plus que le mec, il ne sait pas s'il revient en Batman. Et je crois pas qu'il va revenir en Batman, parce qu'on a quasi plus d'infos ni rien sur là-dessus. Et aussi autre chose, une connerie que j'ai lue, que j'ai vue encore une fois tout à l'heure, et ça m'avait fait chier, c'est que Warner Bros. Prévoit de relier l'univers The Batman de Matt Reeves avec le DCU. Non mais c'est qui cherche ces conneries là? C'est qui se réveille un matin et s'est dit « Hey, si on connectait ça avec le DCU, ce serait parfait !» Tu vois ce genre de mec sur ces idées là? J'ai envie de le prendre par le col et leur foutre tac 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 des claques en pleine gueule, voilà. Pour lui dire « Arrête de dire de la merde !» Voilà, j'aurais fait ça. Parce que chez Warner Bros, il ne faut que ça avec le DCU, ça me pète les couilles. Putain, relier l'univers de Batman de Matrix avec le DCU, non mais putain, mais fermez vos gueules. Ah, ça me pète les couilles, leurs conneries, mais qu'est-ce que tu veux, on n'y peut rien. On n'y peut rien, tu peux pas les attaquer en justice parce que ces mecs-là, ils font 10 fois ta taille, ils sont plus pétés de thunes que nous deux. Donc on ne peut rien faire avec ces gens-là, on ne peut rien faire. Alors ça m'énerve. Ça m'énerve tellement que je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire honnêtement. De toute façon, il y en a encore beaucoup qui vont foutre le camp, hein, je crois. Je crois qu'à mon avis, Gal Gadot, elle va sûrement. On va la foutre dehors, la remplacer par une autre pour faire Wonder Woman. Batman, on a déjà Robert Pattinson qui joue Batman dans l'univers de Madrid. Et s'il recaste encore un autre acteur pour jouer Batman, là je dis, là trop c'est trop. Trop c'est trop, ok? Là, faut arrêter là.
Genre, j'ai dit pas, t'as d'autres super-héros à te concentrer. Tu peux pas seulement te concentrer sur Wonder Woman, Superman et Batman. Ok, c'est la trinité de DC Comics et de la Justice League, d'accord. Mais j'ai envie de dire, t'as d'autres super-héros à te concentrer pour en faire un film. Je sais pas, moi, t'as Green Lantern, t'as Flash, tu as qui d'autre encore? Tu as Aquaman. Déjà, Aquaman aussi, hein. Aquaman 2, c'est pas, ils vont même pas le faire sortir, je crois. T'as quoi d'autre? T'as aussi Martian Manhunter, que là, même dans le Zack Snyder Cut, son look n'était pas très génial pour moi, mais tu peux faire un film sur lui. Quoi d'autre? Un film aussi Green Arrow, parce que ça, j'attends toujours un film Green Arrow. Donc voilà, tu as plein de personnages de l'univers DC, tu vas pas me faire croire que t'en as que 3 sur qui te concentrer, et c'est tout. Non, c'est bon, là, faut vraiment arrêter, quoi. Je sens vraiment que Warner Bros. Va vraiment perdre beaucoup de dollars, parce que à force de continuer comme ça, t'auras plus jamais personne qui voudront leur confier des projets d'ici ou autre chose. Ça, je suppose que les gens vont être d'accord avec moi. Parce que moi, j'en ai marre, j'en ai plein le cul de chez Warner Bros. De toute façon, j'arrête pas de le dire dans toutes mes putains de vidéos, mais bon. Je sais que Warner Bros. N'écoutera jamais ça, mais si c'est le cas, ben Warner Bros., voilà ce que je vous fais. Parce que vous avez déjà annulé plusieurs trucs. On a déjà le film Bad Girl qui avait été annulé en post-prod. On a Wonder Woman 3 qui ne sortira pas du tout. On n'aura pas de Man of Steel 2 parce que Henry Cavill il fout le camp. Et on n'aura pas Aquaman 2 et tu ne sais pas pourquoi. Donc voilà. Donc je refais un gros doigt d'honneur à chez Warner Bros. Complet. Parce que déjà on perd Henry Cavill en Superman. On perd tous les personnages de l'univers de Superman pour les recaster en d'autres personnages. Beaucoup de films annulés, que ce soit Wonder Woman 3, Man of Steel 2, Aquaman 2. Au bout d'un moment, j'en ai plein le cul. Si les gens sont pas capables de faire leur boulot correctement, franchement, si Warner Bros. Tu ne fais pas ton travail correctement, eh ben, j'ai envie de te dire, ben, ferme tes portes, va trouver un boulot ailleurs, va bosser dans la photographie ou via éboueur, fais ce que tu veux. Mais si c'est pour faire des merdes pareilles, juste parce que vous êtes des gros fainéants qui sont pas capables d'ouvrir un comics et utiliser votre cerveau, alors là, je suis désolé, mais vous ne valez plus rien, alors Warner Bros, vous valez plus rien. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous fermez le truc et vous mettez la clé sous la porte. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Donc, cette annonce de Henry Cavill qui n'est plus Superman, franchement, ça me débecte. Et puis voilà, donc sur ce, si ça vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu et également vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouvera demain, j'espère, pour une prochaine vidéo. Allez, à plus tout le monde. Je ne voudrais pas de faire un gros big smile parce qu'avec cette annonce-là, on n'a vraiment pas envie de sourire. Voilà. Donc voilà, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut.